Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons visiter Paquet pour nous presser avec PDG Digicel, Martin Booth. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours mange TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quittez un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, l'équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nous, information nous partagez, vous intéressez. Pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous ne pas perdre de temps, nous dérouler avec information. En ouais. PDG Compagnie Digicel, la Martin Booth, pas de présent dans le paquet pour le prince. C'est directeur affaires légales avec régulation compagnie qui te répond à invitation à cause PDG pas ici en Haïti. Ces informations, ça va nous porter pour vous. Nous ne pas perdre de temps, nous allons commencer tout. Donc d'une invitation qui a été faite à M. Martin Booth, donc je le représente aujourd'hui. Pour le PDG n'est pas présent parce qu'il est actuellement en dehors du pays. D'ailleurs, il s'est excusé et la représentation a été notifiée officiellement et acceptée par le commissaire du gouvernement. Le mobile de la convocation, effectivement, c'est de savoir comment on va pouvoir donc améliorer les conditions dans lesquelles les gens sont enregistrés sur le système dans un cadre d'insécurité en général. Nous avons surtout discuté dans le cadre de partenariat comment la Digicel va pouvoir justement, alors quand on dit la Digicel, entre autres, avec l'autre opérateur mobile, je veux dire aider l'État maintenant à lutter contre l'insécurité. L'ambiance a été très cordiale. Il faut savoir donc, pour ce qui concerne la Digicel, c'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué au commissaire, et ce que d'ailleurs je pense aussi que le régulateur entre-temps avait aussi confirmé auprès du commissaire, la Digicel a toujours mis en œuvre les moyens, je dirais, d'identifier les abonnés. Donc il est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en stade effectivement où il faut peut-être accélérer un petit peu le processus pour aider justement l'État dans ce cas d'insécurité. Mais nous te lançons une invitation au président de la Digicel et nous faisons lancer le tout au responsable de NATCOM et nous gagnons nous avons invitation inscrite dans deux cadres. Un cadre légal et un cadre administratif. Mais qui ça le visait? Premier cadre là, légal, la loi de 2009, modifiée par celle de 2017, libaille aux autorités compétentes de justice prérogative pour demander tout opérateur de téléphone mobile pour être capable de collaborer, coopérer avec Parquet. Et les mêmes qu'on a tel qui c'est régulateur, il est capable tout chita pour chercher collaboration ça avec on a tel, le même opérateur. Et donc, le commissaire du gouvernement, il est au carrefour de la loi et de l'ordre public. La loi, samedi là, article 293-4. De cette loi de 2009 modifiée par celle de 2017, Libanon, compétence pour agir dans ce sens-là. C'est pourquoi nous l'avons. Et au cas où de l'aide publique, société a troublé dans l'appel téléphonique qui a fait ça et là, nous avons les abonnés, mettez mon cash pour moi sans quoi m'appeler dedans pour m'enlever où. Dans la prison étant, nous avons les appels téléphoniques. Mande kob. Nèg ki pral pote rançon, moun pral pote rançon ale bay nèg kidnapper yo. C'est dans téléphone utilisé pour faire communication passer. Donc voilà maintenant un ensemble de problèmes qui viennent générer et grossir problème de sécurité. Donc nous autres commissaires du gouvernement, qui au carrefour de la loi et de l'ordre public, nous estimons qu'il est important pour nous convoquer Digicel et pour nous poser des questions. Notamment, comment le capable, au regard de la loi, aider, collaborer, à capable de résoudre la question ça y est, et prendre engagement, et aussi par une décision réglementaire que Konatel te prend avec eux, et vous engagez, vous engagez, comme vous dites, pour aider nous, et rendre le projet ça y est opérationnel. Donc voilà de quoi il s'agit. Même si vous voulez attirer l'attention,
population et nous faire devant dire c'est là tout. La loi prévoit, si on refuse de collaborer, dans ce sens, eh bien, on est capable de poursuivre comme complice. Et le tribunal qui aura été désigné à statuer sur pareil fait, capable d'ordonner le retrait de la licence de ces compagnies en cas de refus de collaborer. Voilà de quoi il s'agit. Après provocation, ça, qui perspective encourageant qui gagne? Perspective encourageant qui gagne, c'est que le président n'est pas capable de venir les moins, Martin Bout, il veut un représentant. Et avec élégance, engagement, il prend engagement pour être capable de collaborer avec nous, aider nous à résoudre question ça. Commissaire, ce n'est pas un seul opérateur qui est sous ma chaise, est-ce que c'est notre opérateur qui n'a pas? Tout à fait, nous faisons déjà nous convoquer dans le com pour Madi. Nous remarquons quelques problèmes de sécurité qui ont grandi, et appel téléphonique, et communication téléphonique, pour beaucoup de ça. Donc, question de sécurité, sont pas sensibles, nous réservons nous pour ne pas déballer devant la presse tout ça en temps avec opérateurs, notamment Digicel, je vous dis à là, et nous parlons des résultats à venir dans les jours à venir. Conatel comme régulateur était là tout, nous gagnons le représentant de la Conatel qui est là avec nous. Donc, il n'y a pas habilité pour parole, parce que ce n'est pas dans la caille lié, mais il est là où elle est, c'est pour nous Kabuto qui impacte sa parole gagnée et rencontre sans gagner avec Digicel. Je dis à l'attention de tous que les crimes commis par quel que soit un monde, il prescrit jusqu'après 10 ans. Donc on attendait la prescription de ces peines, de ces crimes, et que Paquet apprend acte de ça, et nous avons un rapport d'information, on attend un rapport d'information de la DCPJ, et pour que Paquet soit capable de prendre disposition, expédier de ces salles par devant le cabinet d'instruction pour les suites appropriées à acte ça a été posé. D'accord? Et que la police judiciaire là, à pied d'œuvre, la travaille pour être capable de traquer bandits et défrayer au pas devant parquet pour nous prendre quelles mesures que de droit. Et de nous arrêté. Parce que nous ne sommes pas commissaires, nous ne sommes pas commissaires de police. Nous avons attiré l'attention sur ça. Nous ne sommes pas des commissaires de police. Nous dans la répression et nous attendons que la police soit capable de travailler, de traquer les vagabonds, traquer les malandrins, et pour que vous soyez capable de défaire pas devant le parquet. Et vous allez voir les résultats bientôt. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.